Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. En cette fin d'année 2022, je vais vous filmer mon petit bilan. Voilà, le fameux bilan de l'année par rapport aux objectifs que j'avais et on va voir si je les ai tenus. J'avais fait un bilan moitié d'année où on voyait que j'étais pas... Voilà, c'était pas la gloire, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je ne me mets jamais d'objectifs très stricts, hein, c'est toujours très cool. Et vous allez voir que ça va être plus ou moins pareil pour l'année prochaine. Alors, je m'excuse pour ma voix. Je suis toujours malade, voilà. Je ne me sors pas de ces microbes. J'ai fait une extinction de voix à Noël. aujourd'hui, je filme, nous sommes le 28 décembre et vous entendez que ma voix est très cassée. Je vais essayer de ne pas parler trop vite ni de parler trop fort, sinon je vais aller dans les aigus. Je suis en train de muer, clairement. Voilà. Donc, j'avais comme premier objectif pour 2022 d'entamer tous mes livres. Alors, clairement, voilà, vous savez très bien que cet objectif n'a pas été réalisé. J'avais modifié en disant que, au lieu d'entamer tous mes livres, puisque je savais que ce ne serait pas faisable, que j'entame au moins tous les illustrateurs de ma bibliothèque. Qu'il n'y ait pas un livre d'un illustrateur que je n'ai pas encore entamé, on va dire. Voilà, c'était ça, j'avais transformé. Donc, au total. J'ai entamé, et là j'étais hallucinée en comptant ça hier soir, puisque j'ai préparé la vidéo hier soir. J'ai entamé au total 35 livres cette année. Je trouve que c'est énorme en fait. 35 livres qui étaient encore vierges. Je me lève pour regarder si je filme bien, puisque ma perche est beaucoup plus haute que d'habitude. Je suis dans le bureau en fait. Donc oui, j'ai entamé... 35 livres cette année, je trouve ça énorme. Voilà, donc je suis très contente de moi. Dont 9 avec le fameux hashtag on entame un max de livres en 60 jours que j'ai lancé début novembre. Franchement, merci, merci, merci. Ce hashtag vous a ultra motivé pour entamer vos livres. Vous avez été tellement nombreux et vous l'êtes encore, hein, à partager vos colos sur le hashtag, c'est un truc de fou. Donc, grâce à ce hashtag et voilà, à l'engouement général, j'ai entamé 9 livres depuis début novembre. Peut-être 10 d'ici quelques jours encore. Hein, nous ne sommes pas encore en janvier, donc peut-être que j'en entamerai un autre et que ça fera 10 livres, histoire d'avoir un beau petit chiffre tout rond. Mais j'ai entamé 9 livres depuis début novembre et au total, sur l'année, j'ai entamé 35 livres. Donc, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc, mes Disney, il m'en reste plus beaucoup à entamer en fait. J'ai entamé tous les mystères, ça y est. Cela a été déjà entamé. Cela aussi. J'ai entamé. Et oui. Et oui. Je vais vous zoomer peut-être un petit peu. Non, ça c'était pas vraiment l'effet voulu. Oh, vous avez les backstage. Voilà, j'ai entamé mon Mickey and Friends. Il est tout frais de ce matin, le colo. J'ai terminé ce matin, je suis trop contente. Donc il me reste encore le Scène Culte. Le Affiche Mythique tome 2, ça va clairement être les deux derniers livres, je pense, de ma collection à entamer. Clairement, voilà, ce sont les deux plus gros chantiers, on va dire, donc ce seront les deux derniers, je pense. Hein. Donc il y a ces deux-ci. Ça, c'était déjà fait. Ça, ce sont des livres que j'ai enlevés de ma collection. J'avais pas envie de refaire tout mon tracker, certainement pas. J'ai entamé, hein, ça, je l'avais déjà fait aussi. Il me reste le bloc tableau. C'est le seul bloc qu'il me reste à entamer, je crois. Oui, c'est ça, c'est le seul bloc. Parce que j'en ai revendu deux, souvenez-vous. Donc ça fait trois livres, si je dis pas de bêtises, avec l'affiche mythique et puis scène culte. Voilà, donc on est à trois. J'ai entamé enfin le Roi Lion, ça y est. Et ça s'est entamé aussi, voilà. Et le Galerie de portrait. Donc il me reste en fait quatre livres Disney. Et j'aurai entamé tous mes Disney. Donc franchement, ça va. Pour l'année prochaine, ça devrait aller. En revanche, bon, Affiche Mythique tome 2, je vous dis, et Scène Culte, c'est vraiment des gros gros morceaux. Mais je vais m'y atteler. Et dans le hors Disney, donc tous mes Anna sont entamés. Ça y est. Il y avait Magical Dawn qui n'était pas entamé. Je l'ai entamé. J'ai entamé également le Axanstuga et celui dans les étoiles, que je n'avais toujours pas entamé. Donc voilà, tous mes Anna sont entamés. Je suis très contente. Par contre, Maria Troll, je suis désolée, vraiment. Il me reste encore le Drum Race. C'est le seul, en fait. Voilà, c'est le seul qui n'est pas entamé. Donc, bah, j'espère que ce sera chose faite. Hein, c'est pas le plus compliqué. Donc, voilà.
Donc on est sur 5 livres total pour l'instant, encore à entamer. Alors, par contre, Clara Markova, c'est un peu la petite déception. J'ai bien avancé par contre, mais mes deux premiers livres, donc Magical Delight et Thunderful, ils sont bien. Voilà, j'ai bien avancé, j'ai pas mal colo ces derniers mois dans ces deux livres. En revanche, bah, j'ai toujours pas entamé les trois autres. Voilà. Je n'ai toujours pas entamé les trois autres et je ne m'achèterai pas le nouveau tant que ces trois-ci ne seront pas entamés. Ça, c'est sûr. J'ai déjà beaucoup trop de Clara. Donc, le nouveau Clara, ce sera pour plus tard. Mais d'abord, je tiens à entamer ces trois-ci. Donc, ce sera évidemment pour l'année prochaine. Donc, on est sur 8, si je dis pas de bêtises, 8 livres pour l'instant à entamer. Kirby, trop fier de moi. Il me reste plus que le Imagimorphia. Donc, j'ai entamé tous les autres. Donc, on est sur. J'ai dit quoi? 9. Donc, 9 livres. Voilà, ils sont tous entamés. Ça, c'est cool. Eri, on a encore le Romantic Country Tome 2, donc ça fait 10 livres. J'ai entamé le 3 et il me reste encore les deux derniers dans les contes et tout ce qui est féerique et tout ça. Donc ça fait 12. Les Karolina Kwiatkowska, c'est bon, c'est fait. Amandine Young, ils sont tous entamés aussi, mais ça c'était déjà le cas. Par contre, j'y suis pas retournée, il faut vraiment que j'y retourne. Et ici, ils sont tous entamés. Et j'ai un nouveau livre que vous verrez dans ma collection, qui est le The Witcher Adult Coloring Book. Voilà, qui est un de mes cadeaux de Noël. Donc, on est sur 13, c'est ça? 13 livres à entamer encore. Voilà, il ne me reste que 13 livres à entamer. Franchement, j'en ai entamé 35 cette année. C'est largement faisable, hein. Ça fait un livre par mois, allez, hein. Un livre par mois plus un autre livre. Largement faisable. Donc, ce sera. Bah, on verra ça après. Pour l'année prochaine. Donc, en tout cas, mon objectif d'entamer tous mes livres n'a pas été fait. Mais honnêtement, entamer 35 livres dans une année, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal. Et il m'en reste plus que 13. Voilà, 13 à entamer. Donc, c'est super. Objectif numéro 2, c'était d'atteindre 50% de mon Summer Night. Alors, j'avais bien marqué dans mes rêves, évidemment, puisque, bien évidemment, ce n'est pas le cas. Mais, si vous regardez bien, je n'ai pas atteint les 50%. En revanche, le tableau se remplit vraiment très très bien. J'ai calculé grâce à mon petit tableau OpenOffice. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37. J'ai fait 37 coloriages au total dans mon livre. Et dans le tableau, il m'a calculé que j'étais à environ, à quelques 0,1 ou 2% près, à 39% de mon livre. Donc je n'ai pas atteint les 50%, certes, mais j'ai quasiment atteint les 40%. Donc je trouve ça déjà très très bien. Voilà, j'ai fait 13 coloriages, je les ai comptés, 13 colos, non 14, pardon, 14 coloriages dans le Summer Night en 2022. 14 coloriages, c'est quand même beaucoup. Ça fait un peu plus d'un par mois, quoi. Donc c'est vraiment génial. Bah déjà, j'ai fait les 12 colos de la colo team, plus deux autres. Voilà, donc trop contente. Voilà, objectif pas atteint, mais franchement, c'est déjà super bien. Et enfin, j'avais que trois objectifs en fait pour l'année, faire le plus de pages de titre et de name page possible. Eh bien, je les ai comptés. Et au total, j'ai fait 13 pages de titre et pages de nom. Voilà, c'est tout confondu. Hein. Que ce soit les petites pages de titre, comme ça, par exemple, je vous montre. Hein. Hop, que ce soit ça, voilà. Vraiment les trucs rikiki. Ok, d'accord, il n'y a pas grand-chose, mais une page de titre comme ça ou une name page. J'en ai fait au total 13. Donc, ça fait bah, de nouveau au moins une par mois. Donc ça c'est grâce au fil rouge de ma copine Virginie, donc Virginie Colo, qui avait fait un fil rouge sur les name pages, et grâce à elle que j'en ai fait beaucoup, mais j'en fais toujours aussi de mon côté un petit peu parce que bah, j'ai pas toujours forcément les livres. Chaque mois elle propose une name page différente, j'ai pas toujours les livres, ou alors je les ai déjà faits. Donc voilà, je m'adapte et j'en ai fait 13 au total. Donc non vraiment je suis contente. Voilà, j'ai bien bossé mes objectifs, même si j'ai pas tout atteint, mais c'est pas grave. Donc maintenant, on va regarder un petit peu quelques chiffres que j'ai noté ici. Donc, hop, j'ai fait au total, pour l'instant, parce que, comme je vous dis, nous sommes le 28, donc il est possible que je termine encore un colo d'ici la fin de l'année, voire peut-être deux si ce sont des petits colos. Je vais pas me lancer dans des gros colos, là, sur le dernier jour de l'année, parce que, ben voilà, je suis pas toute seule à la maison, il y a mes parents qui sont là, donc je me lance pas dans des gros chantiers.
Mais pour l'instant, j'ai fait au total tout colo confondu, marque-page, comme voilà. Quand je dis colo, pour moi, c'est des pages. Hein. Donc, par exemple, ma quadruple d'Harry Potter, j'ai fait 2 pages complètes plus bientôt fini la troisième. Donc je compte deux. Voilà, je compte 2 colos en fait, 2 pages. Donc j'ai fait 133 colos en 2022. C'est un petit peu moins que l'année dernière. J'en avais fait 140, je crois. Mais bon, comme je vous dis, d'année en année, on évolue, on peaufine nos techniques, etc. Et c'est vrai que parfois, bah, je prends plus de temps sur certains colos qu'avant. Donc, j'ai fait 133 colos pour l'instant, en date du 28 décembre. Bon, je trouve ça vraiment pas mal quand même. 133 colos, c'est pas mal. Voilà, je suis contente. Comme je vous dis, c'est moins que l'année dernière, mais ça, je m'en fiche. Donc voilà. Ensuite, aussi quelque chose que j'ai noté, j'ai colorié dans tous les livres que j'ai pioché depuis que j'ai mis ça en place. En fait, j'ai voilà, cette petite tasse. Bon, il y en a deux maintenant, il n'y en a plus qu'une, je vous expliquerai ça après. J'ai pioché à chaque fois 2 papiers et pour chaque papier que j'ai pioché, j'ai fait un colo. Voilà. Donc ça, je suis très contente d'avoir tenu ça. Donc, comme je vous l'ai dit, 39% de mon Summer Nights. Ça, je l'avais déjà dit. 35 livres entamés, dont 9 avec le hashtag. 13 name page titres et au total, voilà, je vous le dis ça comme ça, même si ça n'a pas vraiment lieu dans cette vidéo parce que c'est pas vraiment le propos. J'ai colorié, alors ça c'est quand même drôle, hein, 5,03% de mes livres. Voilà, donc je crois que c'est passé à 5,04 d'ailleurs, puisque j'ai terminé un colo ce matin. Vous voyez que j'ai encore du boulot, voilà. Donc ça j'en reparlerai dans ma vidéo de ma collection, mais j'ai fait au total de tous les coloriages que j'ai dans ma collection, que ce soit des coloriages que j'ai déjà fait et que je n'ai pas encore fait, j'ai calculé voilà, dans le tableau avec le total et je suis qu'à 5,03% de mes livres. Donc voilà, j'ai encore à peu près 95% de mes livres qui ne sont pas coloriés. Vous imaginez à quel point c'est la cata. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça c'était pour 2022. Et maintenant pour 2023. Donc j'ai pas beaucoup d'objectifs. Hein. Honnêtement, j'en ai pas beaucoup. Et c'est plus ou moins la même chose, donc ça va être un peu redondant pour vous. Mais ensuite, on va parler un petit peu voilà, de ce qui va se passer, on va dire, en 2023 pour moi, enfin, qu'est-ce que je compte faire, etc. Alors, donc, le premier objectif que je me suis fixé, et ça, je vais m'y tenir, ça, c'est sûr et certain, c'est prendre plus de temps pour le colo plaisir et moins de temps pour les challenges. Donc, c'est-à-dire que j'avais eu besoin d'une petite pause au mois de mai, je crois que c'était en mai. Où j'avais fait mon gros nuancier, etc. Voilà. Je me sentais dépassée un petit peu par tous ces challenges, par voilà, tout ce qui était, tout ce qu'on proposait, et je me sentais un peu dépassée parce que j'ai passé beaucoup de temps sur mon nuancier et pas beaucoup de temps à colo. Donc en juin et en juillet, il me semble, j'ai vraiment relâché la pression au niveau des challenges. Et à partir de août-septembre, je me suis un peu remise dedans, et là, de nouveau, je me suis relaissée dépassée par tout ça. Et là, donc on est en décembre et je me rends compte que quasiment chaque coloriage que je fais, c'est pour un challenge, un défi. Alors plus pour des concours, ça j'avoue que pour les concours, je fais plus beaucoup. Mais par contre, c'est vrai que tout ce qui est challenge, défi, etc., j'en ai beaucoup, beaucoup fait. Et si je regarde mon carnet où je note tous les colos que j'ai à faire. Donc c'est pour vous dire à quel point, voilà, des colos que j'ai à faire pour tel ou tel challenge, ça en devient beaucoup trop. Comment dire? C'est trop, voilà, tout simplement. Donc en 2023, j'aimerais bien, tout simplement, voilà, faire plus de colos plaisir, me poser, feuilleter mes livres, choisir des colos, sans forcément penser que je dois le faire pour telle chose ou telle chose. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, en fait. Qui vont se dire, bah oui, bah moi c'est ce que je fais, hein. Je feuillette mes livres, je choisis mes colos en fonction de mes envies, et voilà, fais ça toi aussi. Ben oui, c'est ce que j'essaie de faire, mais j'ai envie de participer à des challenges et tout, j'ai voilà, des colocopines qui organisent des choses et tout, j'ai envie de le faire, mais voilà, clairement, à un moment donné, trop c'est trop, donc il y a tellement, tellement, tellement qui est proposé que ce n'est pas gérable, en fait, on ne peut pas participer à tout, c'est pas possible, sinon on colorie toujours dans les mêmes livres et c'est pas mon but cette année. Donc, enfin l'année prochaine. Donc voilà, ça ce serait mon premier objectif, qui je pense est un objectif très sain, puisque on colorie pour se faire plaisir, pour se faire du bien, pas pour se stresser. Donc voilà. Objectif, vous vous doutez bien, le fil rouge de la Colo Team Summer Night 2023. Et c'est pour ça que j'en viens à vous dire que oui, nous continuons avec Virginie la Colo Team Summer Night en 2023, puisque
Ça a tellement bien fonctionné, franchement, vous avez été tellement nombreux à participer que on s'est dit, mais on peut pas s'arrêter là, c'est tellement génial. Enfin, on a voilà un groupe de discussion sur Insta qui est tellement bienveillant, tellement voilà, c'est exceptionnel. D'ailleurs, si vous souhaitez le rejoindre, n'hésitez pas. Il y a pas mal de places qui se sont libérées parce que on a fait un petit sondage là pour voir qui continuait avec nous. Il y a pas mal de personnes qui nous ont dit qu'elles souhaitaient probablement continuer à colorier, mais pas rester dans le groupe parce qu'elle n'arrivait pas à forcément toujours participer et tout ça. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a aucune obligation. Mais voilà, on continue la colo team Summer Nights l'année prochaine. Donc je vous montrerai d'ici quelques jours mes colos terminés de décembre et je vous présenterai le nouveau colo qui n'a pas encore été sélectionné de toute façon. Ensuite, voilà, j'ai décidé de poursuivre le hashtag on entame un max de livres. Alors évidemment, je vais changer l'intitulé, ce ne sera pas en 60 jours, mais pour 2023. Donc l'objectif, c'est d'entamer un max de livres sur toute l'année 2023. Donc vous avez beaucoup plus de temps. Alors c'est sûr qu'en 60 jours, ça donne un bon coup de boost en fait. On se dit, oh oui, en 60 jours, je vais essayer d'entamer un max de livres. Mais bon, voilà, moi je me dis que sur toute une année, ça peut être super aussi parce que ça nous laisse beaucoup plus de temps. Même si je sais qu'il y en a qui vont peut-être lâcher d'ici la fin de l'année, mais c'est pas grave. On se motive tous les uns les autres et c'est ça qui compte en fait. Donc voilà, ça sera l'objectif de suivre ce fil rouge pour l'année. Et donc, je voudrais entamer chaque nouveau livre que j'achète, je voudrais l'entamer tout de suite ou dans le mois. Voilà, c'est ça, ce sera mon objectif de l'année parce que malheureusement, à cause de ça, j'achète un livre, waouh, il est beau, je le feuillette et tout, je le range dans la bibliothèque et je n'ose pas l'entamer. Enfin, je n'ose pas. Je n'y pense plus ou je me dis oui, mais t'as d'autres livres à colorier et voilà. Et je les laisse dans la bibliothèque pendant un an, pendant 6 mois, pendant un an et demi sans y toucher et c'est juste inadmissible. Donc maintenant, dès que j'aurai un nouveau livre, je l'entamerai soit de suite, si vraiment je sens que c'est maintenant, je l'entame, ou dans le mois. Voilà, ça sera comme ça. Et d'ailleurs, j'ai eu deux nouveaux livres, enfin un livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous l'ai montré sur mon tracker, et un set PDF. Vous verrez tout ça dans les vidéos de collection. Je vais les sortir dans le courant du mois de janvier. Donc, vous verrez ça, mais ils seront entamés en janvier, ça c'est sûr, puisque c'était voilà, c'est un de mes objectifs, donc je vais le faire. Je les ai obtenus en décembre, donc je les entamerai en janvier. Et bien sûr, l'objectif 2023 qui est d'entamer tous mes livres. Ça, c'est vraiment le deuxième objectif principal, entre guillemets, après celui de prendre plus de temps pour le colo plaisir. C'est vraiment d'entamer tous mes livres. Il m'en reste 13, ils seront entamés. Et même si je dois passer toute l'année sur une affiche mythique tome 2, c'est pas grave. Voilà, ça c'était pour les objectifs. Et maintenant, la petite mise à jour. Bon, je vais enlever le papier, on s'en fout. Donc pour cette année 2023, qu'est-ce qui change en fait, ou qu'est-ce qui ne change pas? Donc, le Challenge Summer Nights, je vous l'ai dit, il reste là, il continue, on va s'éclater, il n'y aura pas de nouvelles règles, etc. Je pense qu'on va continuer pareil. Un colo à faire par mois et un colo bonus, voilà, qui seront présentés dans ma vidéo des coloriages terminés et sur Instagram en story à la une, comme d'habitude. Ensuite, le challenge, donc le hashtag entamer un max de livres, je le poursuis aussi pour toute l'année 2023. En revanche, qu'est-ce qui change? Pause pour le colo à thème. Alors ça, c'était vraiment, voilà, je tenais vraiment à, c'était quelque chose d'important, je voulais vous le dire dans cette vidéo. Le colo à thème, ça fait un an qu'il existe. Voilà, ça fait, ce mois-ci, ça fera un an. Donc, je suis vraiment ultra reconnaissante pour tous les colos que j'ai pu recevoir, toutes les vidéos que j'ai pu, dans lesquelles j'ai pu faire les montages et tout. C'était vraiment incroyable. Vraiment, merci. Merci, merci, vous avez toujours été au rendez-vous. Il y a des personnes qui, à tous les colos à thème depuis le début, depuis le commencement, m'ont fait à chaque fois au moins un colo. Donc merci, merci, merci. Et merci pour les personnes qui ont commencé à le faire il n'y a pas longtemps. Donc désolée, il y aura une petite pause colo à thème. Je me rends compte que ça demande beaucoup trop de temps. Ça me demande trop de temps et d'énergie à chaque fois de récolter tous les colos par mail parce que c'est vraiment énorme. Enfin, franchement, vous m'en envoyez tellement, tellement, tellement. Je récolte tout, je réponds à tout le monde. Voilà, je demande à mon chéri de faire le montage. Moi, je fais le restant du montage, etc. Et je fais en sorte que la vidéo sorte en plus en début de mois. Donc, comme vous avez jusqu'à la fin du mois pour m'envoyer les colos, j'ai une fenêtre de 1 à 2 jours pour faire ça. C'est juste, voilà, trop oppressant pour moi. Je me suis rendu compte de ça, donc je préfère relâcher ça pour l'instant.
C'est en pause, mais ce n'est pas un arrêt définitif. J'en ai discuté donc avec les colos de Maggie, avec qui j'ai commencé à faire le challenge des colos à thème en duo il y a quelques mois. On s'est dit qu'on ferait ça de manière ponctuelle, voilà. Par exemple, à un moment donné, si on a une idée, si on a une envie, et ben ça arrivera comme ça. Voilà. Ah bah tiens, on va faire un colo à thème pendant 2 mois, comme on faisait là. Voilà, pour telle occasion, je sais pas, une connerie par exemple, je vous dis pour Pâques, pas forcément, hein, mais c'est voilà, c'est une idée comme ça qui me vient. Ah bah voilà, on fera ça et je vous proposerai à ce moment-là, et Maggie aussi sur sa chaîne, et on fera ça comme ça. Parce que trouver tous les 2 mois 2 thèmes à chaque fois opposés, etc., etc., faire tous les montages et tout, c'est trop. C'est beaucoup trop, et là voilà, j'ai besoin de relâcher un peu de pression au niveau du colo parce que je propose beaucoup de choses, mais je me perds un petit peu. Donc voilà, désolé pour ceux qui aiment vraiment bien ce colo à thème, mais pour l'instant, petite pause. Ensuite, je vais arrêter également les colos en commun. Je me rends compte que ça ne fonctionne pas tellement. Alors, c'est pas du tout un reproche, hein. C'est pas en mode ouais, de toute façon, ça marche pas, c'est bon, vas-y, j'arrête. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, voilà, c'est un souhait de ma part. Toujours est-il que quand je piocherai mes papiers, parce que voilà, je vais toujours le faire, si jamais vous avez envie de me suivre en live, vous pouvez le faire, voilà. Mais ce ne sera plus des colos en commun comme je pouvais proposer jusque-là. D'ailleurs, vous vous rendrez compte qu'au mois de décembre, je les ai un peu fait dans mon coin, les colos. Voilà, c'est un souhait de ma part parce que de nouveau, c'est une obligation tous les mois, un truc en plus que je dois faire, donc stop. Donc voilà, plus de colos en commun. Ça, j'arrête. Et enfin, je voulais vous parler de cette petite tasse. Donc, j'ai mis tout à jour. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser que mes nouveaux livres, je ne les ai pas mis dedans. Ça va falloir que je le fasse. Avant, je piochais 2 papiers, un dans chaque tasse. Un avec une tasse des livres à entamer et un avec une tasse des livres à avancer. Je me suis dit, ok, c'est cool, ça t'a permis d'entamer certains livres que tu n'aurais pas entamés de toi-même, comme par exemple Les scènes cultes au Roi Lion. Mais d'un autre côté, ça condamne certains livres à n'être entre guillemets jamais coloriés ou oubliés. Parce que entamer des livres, ça c'est cool. Mais les avancer, j'avais mis seulement certains livres dans la tasse, pas tous mes livres. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis à jour. Bon, déjà, j'ai retiré les papiers des livres que j'avais entamés, j'ai rajouté ceux que je n'avais pas encore mis. Et donc, je me suis fait une grande tasse. Voilà, avec tous les livres de ma collection. Donc tous les mois, je piochais. Alors j'ai marqué 2, mais on verra si j'en pioche. Si jamais je pioche un qui est très très lourd, style Affiche Mythique tome 2, je piocherai pas de deuxième papier. Voilà, ou je remettrai le premier dans la tasse parce que c'est trop. Mais si je pioche 2 livres, voilà, par exemple, je sais pas, le Drum Race de Maria Troll et puis un Anna ou un Eri, voilà, bah je lis, voilà. J'essaierai de faire les 2 dans le mois, 2 colos. Je peux très bien piocher 2 livres qui sont déjà entamés. Donc ce sera 2 livres à avancer, c'est pas grave. Ça m'empêchera pas d'entamer des livres puisque c'est quand même mon objectif de l'année. Donc je m'adapterai. Mais voilà, je trouvais ça sympa de mettre tous les livres dedans. Et il faut absolument que je rajoute mes 2 nouveaux livres dans la tasse. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire par rapport à voilà, aux annonces que j'ai pu faire, ce que je continue, ce que j'arrête, voilà, ce que vous en pensez. De toute façon, voilà, ma décision est prise, mais. C'est toujours sympa d'avoir vos avis. Je sais que voilà, colo à thème, j'avais demandé si vous vouliez que je continue. Vous étiez en majorité à me dire oui, mais bon. Désolée, c'est voilà, c'est il faut suivre ses envies. Je pense qu'à un moment donné, quand on propose beaucoup de choses, on s'y perd très vite. Et voilà, je pense que vous pouvez comprendre que voilà, j'ai envie aussi de pouvoir me détendre avec le colo et pas de toujours me dire ah, il faut encore que je fasse ça, il faut encore que je fasse ça. Et je me laisse très vite dépasser, c'est ça le problème. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous souhaiter une excellente fin d'année. Il n'y aura pas d'autres vidéos d'ici les derniers jours. Voilà, puisque nous sommes déjà le 28. Donc à mon avis, la vidéo sortira le 29 probablement. Donc, prochaine vidéo qui sortira, ce sera les coloriages terminés de décembre, puisque j'ai décidé de faire quand même cette vidéo. Même si je vais vous présenter toute ma collection et mes colos, je préfère quand même faire la vidéo des coloriages de décembre à part parce que ben, voilà, c'est un petit peu plus détaillé, je vous dis un peu ce que j'ai utilisé, si j'ai fait des duos, si j'ai fait des challenges et tout. En revanche, la vidéo qui présentera toute ma collection et les colos que j'ai réalisés, vous vous doutez bien que je ne peux pas citer
les gens avec qui j'ai fait des duos, les challenges, le matériel, etc. Sinon, la vidéo va durer 3000 ans, puisque 133 colos cette année, 140 l'année dernière, plus tous ceux de 2020 que j'avais déjà fait. Voilà, ça va être un petit peu chaud de à chaque fois vous dire « Oh, j'ai fait ce colo en duo avec telle personne, c'est mort. » C'est même pas la peine. Bon, bref, tout ça, je vous le redirai dans la vidéo, mais voilà, ça sortira courant janvier. Je pense que, comme d'habitude, je ferai ça en deux parties et ça sera plus léger pour vous. Bref. Voilà ce qui arrive sur la chaîne. Et le bureau tour aussi. J'ai rangé mon bureau, ça y est, normalement, je pense que je suis apte à filmer. Donc, je vous filmerai ça aussi et ça sortira. Donc, en fait, en janvier, ça sera un petit peu update, bureau tour, collection, etc. Mais je sais que vous adorez ces vidéos. Moi, je suis la première à sauter dessus dès que j'en vois une. Ouais, collection de livres, colorialisés. Bon, c'est sûr que les colos que j'ai fait, des livres dont je me suis séparée, voilà, vous les verrez pas, mais ça, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. C'est la vie. Bref, ça c'est en train de s'étendre en longueur. Je vais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, même si il y a une partie qui est déjà passée. Un excellent réveillon du 31. Je vous fais d'énormes bisous. Et un immense merci encore pour cette année passée ensemble. Vous me comblez, comblez, comblez de joie. C'est vraiment, voilà, incroyable. Merci, merci, merci. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.